pied de ce duel au sommet. For those watching us this afternoon from east to west, from north to south, for Wolf Bahamda dressed in all white this afternoon, white shorts, white stockings and white t-shirts, as compared to Ice Fortuna dressed in all red this afternoon, red t-shirts, red shorts and red stockings. It's an all red as against all white fixture this afternoon. Blaise Mwa, the sports and physical education teacher in the northwest region of Cameroon, is a central referee. You have the team list for Ice Fortuna this afternoon, dished out for you a while ago by Merlin Kamla, led by Resetsun Frank Mbela, who is one of the danger boys to watch out for Ice Fortuna this afternoon. As far as the goal scoring machinery is concerned, they will be looking forward to consolidating their leadership position on the league standings, so as to be able to avoid any possibility where the immediate followers of Wolf Baham, their opponents this afternoon, to catch up with them. And Jean Siriac, you have the team list for Wolf Baham. Avec dans les buts de cette équipe de Fovo Club de Baham, un certain Ibrahim Mwa Blaise, qui sera accompagné de Essoma Admin comme assistant numéro 1. Le salut Covid. Indeed. Qui reste d'actualité. Retour sur le 11 de départ de Fovo Club de Baham. Ibrahima dans les buts. Mengue, l'artificier de cette équipe, va porter la ligne d'attaque. This is the sports and physical education teacher in Bamenda, the sub-delegate of physical education for Bamenda 1, Mwa Blaise, who is a central referee this afternoon. He became an international referee in 2017. And we remember he was a lone Cameroon referee present during the 2017 Under-17 Africa Cup of Nations. And he's just back from Mauritania, where he was one of the officiating referees during the Under-20 Africa Cup of Nations in Mauritania. Mwa Blaise, a rich experience in local football championships in Cameroon, based in Bamenda, upstation in Bamenda. He is a pride of the Northwest region this afternoon. He is the one to be the key man to watch out for. C'est l'un des meilleurs sifflets au Cameroun, vous l'avez dit, Baldwin. Alors que côté Fovo Club de Baham, on fait la petite prière, la petite concertation avant le coup d'envoi. Idem pour les garçons de AS Fortuna. Le cri de guerre qui annonce certainement l'intensité des hostilités, des débats dans cette magnifique pelouse. Telling signs of the anxiety on both teams to secure a victory this afternoon for Wolf Baham and Ice Fortuna, a team from the West region and a team from the Central region of Cameroon. It is a fixture beating the two leaders in Group B of the ongoing Elite One Football Championship. And in a couple of seconds, it's going to be the official kickoff of this match, where after 90 minutes of play, we will know which team between the two of them must have secured the 3 points of the day, or which team must have secured the leadership position in Group B, talking about the Elite One Football Championship. We wait under strict compliance of the coronavirus pandemic for the official kickoff. Et c'est parti. C'est Fovo Club de Baham qui vient de donner le coup d'envoi des hostilités et la première alerte peut-être dans le camp. Sortez la main. Gaucher, gaucher. De AS Fortuna, le centre. On arrive. On bascule. C'est tout. Arrivez. Qui porte la signature de Dambou. Montez, montez. Ballon. Attention. Le danger n'est pas totalement écarté. AS Fortuna peut se remettre en mouvement. Allez,
Ayes Fortuna retaliating with this offensive move, trying as much as possible to break through for Vobaham's defense. Here comes Atebal Yoneoli, but unfortunately, he was sandwiched there, permitting Ayes Fortuna to reorganize play thanks to Rodrigue Onana. He beautifully combines with Mohamed Njoya at the left flank of Ayes Fortuna's defense. Mohamed Njoya solicits help and tries to a beautiful combination. One to one, here comes Rodrigue Onana with a powerful shot there. Unfortunately, it was intercepted by Mbe Asen, central defender for Vobaham. The coach for Ayes Fortuna is Prosper Ndedi Ebang. Exact. Merci, Football Club de Baham. Ça va, remontez. Il est face à toi, Moussa. Ballon de remise en jeu pour AS Fortuna, qui évolue en rouge cet après-midi. Équipe de la Grotte Sacrée. Tchekou Long. Ballon récupéré par AS Fortuna. Avec à la manœuvre Njoya. Nouveau club de Baham et son portier Ibrahima qui relance ses coéquipiers. Il y a une faute. Ballon arrêté pour AS Fortuna. AS Fortuna trying to reorganize play from John backyard thanks to goalkeeper Minko Chevy, who combines with his defenders Etungu Inyas. Here comes Essien Bertrand at the midfield. He solicits some help. He tries a beautiful combination with Vondo Tamara. But Vondo Tamara was brought down just in front of the referee. He sounded his whistle that is going to be an infringement. It's a free kick for AS Fortuna as Ateba Lionel was brought down in front of the referee. Ateba Lionel trains with AS Fortuna, spent many seasons playing for this club. As AS Fortuna decides to mount more pressure on Favor Baham's defense, unfortunately, there is an ever-present Mbe Asen and Bonzi Zake at the central defense for Favor Baham, trying as much as possible to stop any incursion mounted by your AS Fortuna this afternoon. Here comes a long kick of the ball by Arnold Chikulong. He found Alex Njache for Favor Baham at the right flank. Beautiful combination for Favor Baham, Mwafo Gallo. He tried to break it, but unfortunately there was a very Essien Bertrand for AS Fortuna with a long cross of the ball trying to find Frank Bella. It's very long, and Frank Bella wasn't quite vigilant there to make use of that opportunity. As the wide from Baham, here comes an opportunity for Favor Baham, Victor Menge. Victor Menge tries to beat one player, but unfortunately he doesn't succeed. He turns around and needs some help. And beautifully combines with Alex Njache at the right flank of Favor Baham. They decide, he turns around. It becomes very difficult for them to break through as there was a Berlin wall for AS Fortuna, manned by Mvongo Tamara and Etungu Inyas, making things quite difficult for Favor Baham to penetrate. They prefer to get back to their own backyard and to reorganize play. It becomes much more interesting. Here comes Favor Baham from the right to the left, to the left of the ball, and goalkeeper. La sortie du portier Minko, qui va certainement relancer les hostilités. Le portier de AS Fortuna. Merci Nkoué. On a trouvé Deidi. Ballon suffisamment appuyé. La remise en jeu alors que le coach Olivier Nankam est debout. Remise en jeu pour Favo Club de Baham. Rapidement effectué. Le coup de téléphone pour Menge. Beaucoup d'impact physique jusqu'ici
dans cette rencontre. Entre les équipes qui jouent les premiers rôles dans la poule. Attention, le danger dans le camp de AS Fortuna, le coup de tête. Il est largement à côté de la cage du portier Minko. On va repartir côté AS Fortuna. Le club du président Roger Noah. Le grand coup de pied de Minko. Here comes Fouro Baham at the midfield, Mwafo Gallo. Unfortunately, the series of interpositional passes were not at all successful for Fouro Baham, who will have to reorganize play from John backyard as goalkeeper Ibrahima Dauda, former goalkeeper with Cotton Sport of Gagwa, so far yet to be threatened by the attacking machinery of AS Fortuna. Ibrahima Dauda is a goalkeeper for Fouro Baham. You have on your screens giving some instructions to his players as he's going to come in with a long kick of the ball that gets to his opposing goalkeeper Minko Shevia for AS Fortuna. The players for the two teams will certainly have to rework. It's true, we are just the early minutes into the first half of this match, but we'll have to be much more vigilant as to what particular strategy they are using in order to outsmart their opponents this afternoon. AS Fortuna at the midfield. Essien Betwang, a beautiful combination for AS Fortuna. Here comes an opportunity for Frank Bella. Unfortunately, Frank Bella wasn't quite vigilant there as he was stricken up with that ball by Fouro Baham, and the referee Blaise Ngwa sounded his whistle for an infringement against AS Fortuna. It's going to be a free kick for AS Fortuna after one of our players, Rodrigue Onana, was brought down. A free kick that comes into this match some 8 minutes into the match with a long kick of the ball. A poorly executed shot there by Besong Junior of AS Fortuna that got into the waiting hands of goalkeeper Ibrahima Dauda. Goalkeeper Ibrahima Dauda, former goalkeeper with Cotton Sport of Garoua, with successful seasons he had with Cotton Sport of Garoua, even though not as first choice goalkeeper. This afternoon, playing his role with Fouro Baham. On est reparti. La déviation, attention! On est passé à côté de l'ouverture du score. Le coup de sifflet au passage de Blaise Mba. On va revoir cette action. Et la belle sortie du portier Minko. A squandered opportunity there by Victor Menge. Alors que l'artificier de Fouro Club de Baham était aux avant-postes. Il s'apprêtait à positionner son équipe dans la direction de la victoire. Ballon arrêté. Pour AS Fortuna. Voici les garçons de fou. Remise en jeu pour Fortuna. On cherchait sur le côté Lionel Ateba. Lionel Ateba qui porte pratiquement les espoirs de cette équipe de AS Fortuna, ancien secrétaire de Yafoot, AS Etoameki. Merci Fortuna. Et Siana.
Remise en jeu pour Fovu Club de Baham. A throw that comes in thanks to Arnold Chekulong. A long throw there. Here comes an opportunity for Fovu Baham. What does he do? He bakes into the defense for Ali Fortuna, but unfortunately, it wasn't swift enough to make use of that opportunity. Victor Menge once more. He had the opportunity to beautifully combine with one of his teammates, but unfortunately, he decided to embark on a solitary move there. And he was stripped of that opportunity for a corner kick for Fovu Baham. A corner kick which comes some 11 minutes into this game. I can see Memos Dumbu of Fovu Baham. They want to kick the corner kick for the team from the upper plateau in the west region of Cameroon. Memos Dumbu comes with a long kick of the ball. It's a heads go high as an opportunity for Fovu Baham. The other pool scores some 11 minutes into this match thanks to a corner kick and a beautiful catching razor for Fovu Baham. Surprising the defense line of Ice Fortuna inside the early minutes of for this match. And I can say Ice Fortuna, little did they see this ball coming. Look at the slow motion with a powerful lack of concentration in Ice Fortuna's defense. And Fovu Baham benefits to slot in that ball for goal number one, thanks to Musa Kalamu. Fovu Baham opens scores this afternoon. Far below expectations for Ice Fortuna. Une domination de Fovu Club de Baham payante avec cette ouverture du score qui porte la signature de Dumbu. C'est reparti. Ballon pour les garçons de Fovu Club de Baham, alors que le coup de sifflet de Blaise Mba vient de retentir. Fovu sur ce coup qui continue de presser. Attention, il y a danger. Il y avait une position illicite côté Fovu Club de Baham. Et les défenseurs de AS Fortuna qui en profitent pour se parler, pour se repositionner, pour se dire il faut éviter les erreurs. Comme celle qui a abouti à l'ouverture du score il y a quelques instants. Une belle signature de Gabin Dumbu, attention. Nous sommes dans le camp de Fovu Club de Baham. On va suivre cette infiltration dans le camp de... Aïe, aïe, aïe. Avance, avance. Fovu peut repartir. Chekulon, le long ballon, on cherche Dumbu, le buteur de tout à l'heure, le voici, balle au pied, est-ce qu'il va passer? Non. La remise en jeu pour AS Fortuna, alors que Dumbu tentait de battre de vitesse ces deux défenseurs de AS Fortuna. The defense line of AS Fortuna will have to be very, very vigilant. They will have to communicate more among themselves, especially after having considered this early goal. Goal scored by Dumbu of Fovu Baham at the 11th minute of play. And the guys from the west region of the country benefit from this throw.
and the ball is still in possession of Fofo Bahamut. He comes up with a long slot of the ball as goalkeeper Minko Shevia for Ice Fortuna gets rid of that one and comes up with a long kick of the ball. He tried to find one of his attackers, but unfortunately there was lack of communication between Mbe Asen of Fofo Bahamut and his goalkeeper Ibrahima Dauda. Fortunately, that ball did not get into the back of the net. It simply went off the field of play. Ibrahima Daouda qui a tout fait pour éviter ce corner à son équipe. Peine perdue. It's going to be a corner kick for Ice Fortuna. Ah oui. Le corner que nous allons suivre. Botté par. Ok. Et vous voir à tous. Et Touga. Rodrigue Onana. Ah oui, c'est plutôt Rodrigue Onana au départ de ce ballon. Le cuir se lève. La tête est plutôt défensive. Attention. C'est sans problème pour le portier Ibrahima Daouda. First choice goalkeeper for Fofo Bahamut this afternoon, Ibrahima Daouda. Il était sur ses appuis. Very, very talented, and one of the key guys for the team. With a rich experience gained so far in the 81 Football Championship after playing for Kotospor of Garoua. The game is very, very much focused at the midfield. And there's a body check there, a body check, and the referee Guables sounded his whistle. There's going to be an infringement against Ice Fortuna after one of the players was a body checked there in front of Guables. Peut-être qu'un carton qui est déjà sorti. Carton mérité. That was Mohamed Joya of Ice Fortuna, yellow carded this afternoon by central referee Nguables for this anti-sportsman gesture. It's a free kick for Fofo Bahamut. They were leading 1-0. Quickly taken there. Here comes Fofo Bahamut that decides to break through. Beautiful combination for Fofo Bahamut. Quite a powerful shot there. The fans was intercepted by Mvondo Tamura of Ice Fortuna. His right leg stopped that opportunity for Fofo Bahamut. It will have been goal number 2 for the guys from the West region of Cameroon. This time it's going to be another corner kick for Fofo Bahamut. And the guy who scored the cutting razor, Dombo, is on the ball to execute that corner kick for Fofo Bahamut. He comes in with a long kick of the ball. Heads go high with a powerful header this time around. The referee had sounded his whistle for an infringement there. Cette équipe de Fofo Club de Bahamut, de plus en plus menaçante. Elle est en confiance sur les installations de AS Fortuna. Domination au niveau du marquoir, domination sur le terrain. Et voici Chokelong. On cherche un partenaire. C'est plutôt un ballon perdu. Chokelong qui choisit d'envoyer le cuir dans le décor. It's a Mickey Mouse game at the midfield between Ice Fortuna in red and Fofo Bahamut in white. Beaucoup d'engagement côté Fofo Club de Bahamut. Indeed, telling signs are for the two teams' intentions to carry the day. It's true that we are just playing the first half. We have 45 more minutes to go, but Fofo Bahamut, they are leading, and they are so far, they have indicated their intentions to carry the day at the end of the regular play time here. As Fofo Bahamut intercepts that occasion, Mwafo Gallo beautifully combines with Moussa Kalamu. There comes an opportunity for Gabon Dombo or for Fofo Bahamut. What does Gabon Dombo do? He's battling it up. He beautifully combines with Moussa Kalamu. Here comes once more Gabon Dombo. A beautiful combination for Fofo Bahamut from right at the right flank. Here comes a long cross. The long cross by one of the teammates, Ngando Civil,
for Fofo Baham, right wing defender Ngando Cyril. Unfortunately, it was intercepted, and it's going to be a throw for Fofo Baham as goalkeeper Minko Sherry of Ice Fortuna. Très sollicité cet après-midi. Minko, qui doit se demander ce qu'il a fait pour mériter autant de missiles, autant de raids dans son camp, alors qu'on va suivre ce corner botté par Gabin Dambou, le buteur de tout à l'heure. Ballon arrêté pour AS Fortuna. Avec au départ Thierry et Tungu. On a joué pour le portier Minko. Et voici Thierry et Tungu. La machine de AS Fortuna qui essaye de s'organiser depuis la base. Le portier Minko. On a joué pour Nkoué. On recommence. Mbanda. Ballon perdu. Attention. Attention, une autre offensive. La frappe. Et c'est le deuxième but. Deuxième but de Fofo Club de Baham. Victor Mengue, l'artificier de cette équipe qui ne s'est pas fait prier pour propulser le plus profond des filets. Victor Mengue, un garçon dangereux. Regardez, il a battu le portier Minko. Olivier Nankam, the coach of Fofo Baham, visibly happy given the present scoreline situation for Fofo Baham, that's leading 2-0. Victor Mengue sealing the second goal for Fofo Baham this afternoon, sending goalkeeper Minko Sherry to the back of his net for the second time in this encounter. From every indication, Fofo Baham came into this match much more determined than ever before to carry the lead, to secure the 3 points and to overpower AS Fortuna and take the lead on the league standings in the Group B of the ongoing Elite One Football Championship. Given that before the start of this match, just 3 points were separating the two teams, and Victor Mengue of Fofo Baham has scored the second goal for his team. It's 2 for Fofo Baham, 0 for AS Fortuna, 24 minutes gone into this match. Le leader est en difficulté sur ses propres installations, AS Fortuna. Mené 0-2. Voici les garçons de AS Fortuna qui balance un ballon qui ne profite à personne, si ce n'est pour Fofo Club de Baham qui obtient la remise en jeu rapidement effectuée. And certainly the 2 goals they have scored so far have come to reignite the winning spirit in Fofo Baham. You see that they have imposed a beautiful play style so far. The guys from the west region of the country try in every move, they have players present. Fofo Baham, that's leading 2-0, created in November, on the 17th of November 1978, Fofo Baham. And for the very first time, the team got to the Elite One Football Championship during the 1993 Interpools that took place in Garoua in the north region of Cameroon. And ever since, Fofo Baham has started writing a history in the golden pen in the history football league of the 81 Football Championship in Cameroon. And Fofo Baham, with some key players in the 81 Football Championship, has been able to produce some of the finest footballers who have had the opportunity to defend the nation's colors, such as Marcus Mukake, who played for Fofo Baham, Jeremy Sorenjitap, a former player of Fofo Baham, Adolf Teke, who played with the national football team and won the 2017 Africa Cup of Nations. These are just a few out of many other former players of Fofo Baham who have had the opportunity to defend the nation's colors at the senior level of the national football team of Cameroon. It is a team to reckon with, it's a team to count on in the Elite One Football Championship in Cameroon.
And the beautiful play style so far put up by the team is not surprising at all. Puisque vous êtes dans le rappel des joueurs ayant évolué dans ces équipes, il faut dire que côté AS Fortuna, la principale fierté, c'est André Frank Zambo Anguissa, qui est passé par cette équipe avant de transiter par Coton Sport de Garoua. On va suivre côté Fovu Club de Baham le départ de ce ballon. On cherche Dombou qui se jette manifestement. AS Fortuna. Ballon perdu. AS Fortuna facing some difficulties this afternoon, especially after conceding the two goals during the first half of this match. The referee sounds his whistle. It's going to be a throw for AS Fortuna, as the coach of AS Fortuna, Pospende Riebang, has been very, very restless ever since this match started, especially after his team conceded two goals unexpectedly. I should say, we are watching a very, very beautiful encounter with a beautiful football produced by the two teams this afternoon. Unfortunately for AS Fortuna, their goalkeeper has been sent to the back of his net twice, and for Vov Baham, consolidating a perfect mastery of the play style, especially at the midfield, showcasing a no-nonsense powerful defense line for the team ever since this match started. I should say, AS Fortuna will have to go back to the drawing board in order to get the right strategy to break through for Vov Baham's defense this afternoon, because the guys from the West, from every indication, haven't come to Yaoundé to consider any goal. Haven't come to the nation's capital city to go back to Baham with a draw or a defeat, but a victory. Blaise Ngwa, the central referee this afternoon, giving some instructions to Ngando Civil, right wing defender for Vov Baham. Ngando Civil combines with Mbeya Sen, playing with danger, the central defense of Vov Baham, given the swiftness of the attacking machinery of AS Fortuna. Brahima Daouda pour Fovu Club de Baham. Voici les garçons de Baham. La faute. Ballon arrêté pour AS Fortuna. Alors que nous nous acheminons progressivement vers la pause, encore une quinzaine de minutes à jouer. Mauvaise transmission de balle, voici Fovu Club de Baham qui perd le ballon. On va suivre cette infiltration. Attention, il n'y a personne. Personne, alors que le service était magnifique. Le service de Lionel Ateba. Pour qui? An opportunity. Que de jolis services mal exploités dans la surface de réparation de Fovu Club de Baham. La remise en jeu pour les garçons de la grotte sacrée. Lionel Dombou, Gabin Dombou était bien lancé sur ce coup. Mais il était aussi bien surveillé par la défense de AS Fortuna. Attention, la frappe. Elle est faible. Sans problème pour le portier Miko. AS Fortuna
Here comes an opportunity for Ice Fortuna. So the team at the box up for Barber. Unfortunately, he was selfish there. He had the magnifique but Baldwin et Sian Bertrand. On était loin de s'attendre à cette frappe de Bertrand et Sian qui lèche la barre transversale et s'en va mourir dans la cage du portier Ibrahim. Quelle réduction du score! Quel boulet de canon! Bertrand Essien has given some homework to goalkeeper Ibrahima Daouda of Bahang with a powerful shot there. That sends goalkeeper Ibrahima Daouda to the back of his net for the first time in this match. Ice Fortuna slowly but surely recovering from the pain inflicted by Vovov Bahang by scoring two goals unexpectedly. Ah, what a beautiful match. Three goals scored so far before the end of the first 45 minutes of the match with a beautiful opportunities created by both teams. Beautiful goals scored by both teams. One of the top matches of the 10 action of the 81 Football Championship with supporters of the two teams quite satisfied so far here at the Yaoundé Municipal Stadium with the beautiful play style produced by players of the two teams. Two for Vovov Bahang, one for Ice Fortuna. As we play the 32nd minutes into the first half, here comes a corner kick for Vovov Bahang. The long kick of the ball heads go high with a powerful header with an interception there. And the referee sounded his whistle for a free kick for Ice Fortuna. The boys of the center region of Cameroon. On ne perd pas de temps côté Ice Fortuna. Il y a un retard à rattraper. On peut le comprendre. La remise en jeu pour les poulains de Prosper Ndedi. L'entraîneur de AS Fortuna. Nous sommes dans le camp de Fovu Club de Bahang. Ballon récupéré à nouveau par AS Fortuna d'un fou. Pas pour longtemps. Dans le rang central, la grande chevauchée de Moifo qui est stoppée. Vovov Bahang in an endless quest, thanks to Eric Parfong, to increase their goal tally this afternoon. We have some showers of blessings here at the Yaoundé Municipal Stadium. It's drizzling. And fortunately, it doesn't at all affect the quality of football produced by the players on the turf. Free kick for Vovov Bahang. That comes in at the 34th minute of play with a powerful here comes an opportunity. Unfortunately, Victor Menge was quite slow there and could not make use of that opportunity to score his brace or to score a brace in this match this afternoon, permitting Ice Fortuna to reorganize play from their backyard thanks to Mbeya Sen. Beautifully combines there with Ngando Cyril. Junior Kwe from left, from right to left. Here comes Mohamed Njoya with a long pass of the ball. Intercepted by the central defense of Vovov Bahang, manned by a certain Bear Saint, and Ice Fortuna very much determined to equalize before the end of the first half, especially after the beautiful first goal they have scored this afternoon from a powerful shot. Mohamed Njoya beats one player, beats the second, beautifully tried to beautifully combine, but unfortunately he got stripped of that ball as Vovov Bahang comes in there with this offensive move that was poorly executed. As the ball gets to the waiting hands of goalkeeper Minko Shevi of Ice Fortuna, permitting his defenders to reorganize play. Ice Fortuna, should say, it's a team that was created in the year 2000, year when the Mefuana Famba Divisional League of the Central Region of Cameroon. And in the year 2002, the team got to the Division 2
with a powerful shot there. Another powerful shot from Ice Fortuna. They have certainly discovered the weak point of goalkeeper Mohamed Ibrahima Daouda this afternoon. Et c'est un tir qui porte la signature du capitaine de cette équipe. Mais il dit. Ils ont certainement remarqué qu'il faut aller chercher cette équipe sur des frappes lointaines. Attention! Ice Fortuna, very, very hungry, very, very anxious, very, very eager to equalize before the end of the first half. Ils ont envie de revenir au score avant le coup de sifflet qui renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires à la pause. Avance avec, avance. Voici Fobo Club de Bahama et Bondi Som. Ballon pour Fobo. Mais il a trouvé Nandje. Qu'est-ce qu'il va faire Nandje? Il sollicite la base, attention. C'était un tout petit peu mal géré. On va repartir côté AS Fortuna. Voici Etungu. Thierry Etungu. Défenseur central formé à AS Fortuna. Déjà 7 ans dans cette équipe, 7 ans passés dans cette équipe. Il a pour idole Jérôme Boitin, le défenseur allemand. Baldwin. Il a beaucoup d'ambition. Ce jeune défenseur central. It's every footballer's dream to be like his or her role model. He has chosen his own role model as Ice Fortuna in an endless quest to equalize. Keep on multiplying the offensive moves. Just like this one, with a long kick of the ball, unfortunately poorly targeted. It goes off the field of play. The team from the center region a while ago was talking about it. That was created in the year 2000. And that got in the Mifuana Famba Divisional League in the center region and got to Elite Division 2 in the year 2002 in the center regional football league. And the team had access to Elite 2 football championship during the 2014-2015 football season. Ice Fortuna coming back with another opportunity, an offensive move there. Unfortunately, it goes off the field of play as it was intelligently accompanied out of the field of play by defender Mbe Asen of Fovo Baham. Goalkeeper Ibrahima Daouda of Fovo Baham surprised by that. A powerful shot from Bertrand Essien of Ice Fortuna that sent him to the back of his net for the first time in this match. We have less than 8 minutes to go to the end of the first half of this match. And it is 2 for Fovo Baham and 1 for Ice Fortuna. We announced some showers of blessings here at the Yaounde Omni Sports Stadium. Thank God it's not that serious. Here comes Ice Fortuna with another opportunity. Intercepted, but the danger has not been completely cleared off inside Fovo Baham's own backyard as Ice Fortuna continues with the offensive moves. Olivier Nankam there had already seen an opportunity for his team to concede. Unfortunately for Olivier Nankam, coach of Fovo of Baham, his team conceded a while ago. And he's been very vigilant to avoid an opportunity for Fovo of Baham to concede once more. Given that Fovo, they are leading and they would like to overturn the tables on the league standings for them to move and top the league standings while Ice Fortuna stays on position number 2. Given that 3 points separates both teams, Ice Fortuna on 18 points and Fovo Baham on 15 points. And the scoreline situation at the end of this regular play, after the regular play time in this match, will tell us more as far as the league standings are concerned. C'est un vrai duel au sommet, Baldwin, vous l'avez dit. On rappelle, Ice Fortuna, avant le coup d'envoi de ce match, occupait la première position avec 18 points, suivi justement de son adversaire du jour, Fovo Club de Baham, 15 points. Ce match est décisif pour le contrôle de la poule.
pour le contrôle du fauteuil de leader. Attention. Les frappes qui se multiplient côté AS Fortuna pour tenter de surprendre le portier Ibrahim Adaouda, ancien gardien de but de Coton Sport de Garoua. Cette fois-ci, il était sur ses appuis. Ballon pour Fovu. Pas pour longtemps. AS Fortuna va repartir avec Njoya. Attention, attention. Il est obligé de sortir Ibrahima. Il y avait un renard dans le coin. Le portier Minko. Thierry Etungo. On a trouvé le coué. Etungo à nouveau. Ballon perdu. Fovu dans le rang central. Il y a une faute à l'entrée de la surface de vérité de AS Fortuna de Fou. On va revoir cette forêt de jambes qui se croise et le carton jaune qui se balade. A dangerous free kick there, which may permit for Baham, if well executed, to increase their goal tally here at the Yaounde Municipal Stadium. As goalkeeper Minko Sherry of AS Fortuna positions his defenders, puts in place his wall to avoid any major surprise this afternoon. Goalkeeper Minko Sherry, twice he has been sent to the back of his net. He won't want to concede any goal any longer. La tâche n'est pas facile pour lui cet après-midi. On va suivre ce coup franc. I can see 1, 2, 3, 4, 5 players of Fovu of Baham. What are they going to do? Gabon Dombou au départ de ce ballon. Déjà buteur dans ce match. Gabon Dombou. One of the players of AS Fortuna on the turf. C'est volontaire. It's voluntary indeed. C'est pour empêcher qu'un ballon ne passe entre les jambes. They have certainly worked on that through their driven training sessions. And it succeeded. They succeeded with the wall. Those are strategies worked upon several times during the different training sessions. AS Fortuna here comes with this offensive move for AS Fortuna at the right flank, trying as much as possible to retaliate with a goal scoring opportunity, but unfortunately it was intercepted there. But it's not been completely cleared up. AS Fortuna! Goalkeeper Ibrahim Adaouda of Fovu of Baham. C'était quand même bien emmené. Même si la frappe n'est pas du tout inquiétante pour le portier Ibrahima. Ballon pour AS Fortuna. Le portier Miko. Il a trouvé un coup. Il y aura une minute de temps additionnel dans cette première période qui tourne en faveur des visiteurs. Pour le club de Baham. Voici
Les hommes de Prosper Ndeddi. Ballon arrêté pour AS Fortuna. Alors qu'on revoit. Et le coup de sifflet qui retentit. C'est la pause au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Sur un avantage de Fobo Club de Baham. Deux fois buteur dans cette première période. En face, il y a eu une somptueuse frappe de Bertrand Essien. Un magnifique but. Une belle signature. C'est le plus beau but dans ce match jusqu'ici. Indeed. Rien à dire. One of the best so far in the championship. Ah oui. Central referee Guables discussing with his assistants this afternoon. We have some showers of blessings. It's drizzling here at the Omnisport Stadium in the Omnisport neighborhood here in Yaoundé. We will certainly get the reactions of some key actors from both teams, thanks to Merlin Kamla, who is at the touchline. For Wolf Baham, quite happy so far with the scoreline situation, given that they are leading 2-1. Meanwhile, AS Fortuna that would have loved to equalize before the end of this first half. They have not been able to do so far. And we will be having the highlights for the first half of this match equally. That's three goals scored. An offensive first half of the match with three goals scored, two for Favor Baham. And one for AS Fortuna. En tout cas, nous avons assisté à une belle période, une belle première période, avec trois belles réalisations. Et AS Fortuna, alors qu'on va revoir les moments forts, le premier but de Fobo Club de Baham qui porte la signature de Gabin. Memos Dumbo comes to the long kick of the ball. Dumbo. It's a heads go high as up. An opportunity for Fobo Baham. Il a peut-être été aidé par le défenseur de AS Fortuna. A bien y regarder. La joie du joueur, la joie du buteur. And that was the second goal for Baham. That surprised the entire defense line of AS Fortuna. Beautiful goal from Victor Menge, key attacker for Fovu Club of Baham, who spent several seasons playing for this club of the West Region of Cameroon. Victor Menge scoring the second goal. Attention, c'est un but marqué par Nanje Pito. Magnifique but. Nanje, sur ce coup, a été impeccable. L'assist. Ah, le voici. Bertrand Essien. De Bertrand Essien. Les habitués du baby foot appellent ce type de but la casso. Un somptueux but. Une belle signature. En tout cas, c'est elle que l'on retient au terme des 45 premières minutes. Et c'est le moment de vous renvoyer l'antenne pour le débrief de cette première période. Well, ladies and gentlemen, welcome back to the studio here. Thank you very much, gentlemen, Jean-Cyriac Bessé, and of course, Baudin Sama. In fact, three goals in 45 minutes is what we retain here. Two goals from visiting for Vora Baham and a missile from AS Fortuna, as if he was very angry with the 2-0 lead by Fufuro Baham. Serge Fasguet, so far it has been, I think the action has been good. There's been ready for, but then the action is still very much there. Tout à fait, Guido Tazo, de très belles actions au cours de cette première partie. Trois buteurs, trois buts, Moussa Galamo, Nanje Alex pour Fufu Club de Baham.
Et puis ce missile de Bertrand Essien, l'unique but de AS Fortuna au cours de cette première partie. C'est donc Fovu qui mène AS Fortuna et le record d'invincibilité de AS Fortuna qui est sur le point d'être battu ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo pour cette première partie. En attendant donc la deuxième partie, et on est avec notre analyste sportif Otou pour nous analyser donc les moments forts de cette première partie. Rencontre dominée pour l'instant par Fovu Club de Baham qui a décidé de mettre un terme à l'invincibilité de Fovu de AS Fortuna aujourd'hui. C'est pas encore fini. Je crois que Fortuna est tombé dans son propre piège parce que déjà je ne sais pas pourquoi l'entraîneur de Fortuna qui a régulièrement joué dans un 4-3-3 est venu expérimenter un 4-4-2 et qui aujourd'hui il a des joueurs qui ne parviennent pas à réellement appliquer ce système parce que vous savez dans un 4-4-2 les circuits référentiels, c'est beaucoup plus les côtés, le côté gauche, le côté droit. Mais on se rend compte que les côtés ne fonctionnent pas réellement. Et vous avez une équipe de Fovu qui oblige Fortuna à dégager les ballons. Or, ce n'est pas dans l'ADN de cette équipe. L'ADN de cette équipe, c'est de jouer au pied. Quand l'équipe de Fortuna a le ballon, vous avez les quatre joueurs de Fovu qui vont au pressing. Mengue, Nandje, Ndombou. Parfois, c'est Pafon, parfois, c'est Moussa, parfois, c'est Moifo. Ils vont au pressing et ils obligent l'équipe de Fortuna à dégager les ballons. La preuve, quand vous voyez le deuxième but, c'est un ballon qu'ils perdent. Dans leur moitié de terrain et faut vous reprendre, ils mettent Nandé sur but qui marque le but qui inscrit le deuxième but de la rencontre et vous maintenant je le premier but c'est une erreur du gardien Minko et je crois qu'il doit avoir un problème de taille parce que c'est il n'a réellement pas la taille requise, il apprécie mal la trajectoire du ballon et derrière il a son défenseur central qui ne sent pas le ballon dans l'attaquant dans son dos. Il ne sent pas Moussa Karamou qui vient dans son dos. Et puis, il ne sent pas que l'attaquant vient dans son dos. Maintenant, vous voyez que Fortuna a su réagir avec la frappe de Sian. Parce que pour le moment, ce n'est que comme ça que l'équipe de Fortuna peut réagir. Sur des actions individuelles, parce qu'elle ne parvient pas à poser le ballon. Puisque Fovu ne lui donne pas la possibilité de poser le ballon. Fovu bloque les côtés. Fovu bloque surtout l'intérieur du jeu où elle a quatre joueurs. Donc, comme solution, il faudrait, pourquoi pas, que l'entraîneur essaie de passer dans un 4-3-3. Parce que sur le côté, il a des flèches et parce que dans l'axe, il a Onana Maestro qui, comme ça, va donner de très bons ballons aux attaquants. Of course, that's to tell us that Fovu has blocked everything and that AS Fortuna has to do a little corrections and perhaps we remodel the way they're going to play so that they can break through the iron defense of Fovu Abraham. But let me just try to give you a few statistics to tell you that all through a game to the 90th of play, AS Fortuna considered just three goals, and in a single game they've considered two goals. That tells you that Fovu meant business, and with things to end at this particular moment, it therefore means that Fovu Abraham would take the leading position in Group A, because Fovu is on 15 points, Fortuna on 18 points, and with Fovu to go away with the victory, it would therefore mean that it's Fovu that takes the leading position. C'est un autre match qui se joue au cours de cette rencontre entre AS Fortuna et Fovu Club de Baham, puisque Fovu Club de Baham voudrait à tout prix gagner AS Fortuna aujourd'hui pour passer en tête et battre également l'autre record, puisque jusqu'ici, c'est AS Fortuna qui compte 9 matchs, 9 victoires. Aujourd'hui, il est question de passer devant et avoir également 5 victoires d'affilée comme Canon de Yaoundé. C'est un autre défi pour Fovu. C'est un défi et puis le titre de champion honorifique de la phase d'aller, c'est ce que Fovu recherche également. Et maintenant on voit que là pour le moment, lors des 30 premières minutes, ils se sont bien comportés, mais lors des 15-10 dernières minutes, on voit que l'équipe PSE a commencé à baisser le pied sur le ballon. Fortuna a commencé à déployer son jeu. On voit que les joueurs de Fortuna frappent des ballons de loin. On a vu Atiba qui s'est essayé par une fois. On voit Maestro qui était un peu qui n'était pas bien en lors des 30 premières minutes, mais qui commence déjà à élever son niveau. Donc Fovu de Baham doit continuer à imposer sa rigueur sur le plan défensif, qui doit continuer à imposer son agressivité. On a vu Moifo qui est réellement agressif. Vous savez, en termes de recrutement, lorsque les équipes de l'Ouest recrutent, elles misent beaucoup plus sur le gabarit, elles prennent des hommes. Comme on dit très souvent, des casseurs de pierre. Et en plus, c'est une équipe de la Côte Sacrée. Vous voyez que lorsque Fortuna balance des ballons, il y a le défenseur central, le capitaine B qui est derrière, tous les ballons reviennent.
Ça fait donc que ça devient difficile pour Fortuna. Elle doit poser le ballon comme elle essaie de le faire lors des 15 dernières minutes. Donc, soit Fortuna pose le ballon, elle gagne la bataille du milieu de terrain, elle conserve le ballon, ou alors elle peut casser son milieu de terrain, faire sortir un joueur, peut-être Besson, peut-être Bidi, en gardant Onana, peut-être faire quitter Ateba sur le fond de l'attaque et garder Etuga, parce que Etuga, c'est l'un des meilleurs buteurs de cette équipe. On va y revenir. Voilà l'une des solutions. Below two, we want to contact Linka with our man by the side of the field, Arota, our field side reporter, Melon Kamla. Melon Kamla, what is the feeling down by the field of play there? Merci bien, Gideon Tazo. Vous l'avez dit, hein, j'écoutais votre consultant tout à l'heure parler de la carrue des joueurs de Fovu Club de Baham. Ce qu'il faudrait mentionner, c'est que l'entraîneur de Fovu, c'est aussi un préparateur physique. Vous comprendrez pourquoi les joueurs sont assez musclés. Mais permettez-moi de vous donner les statistiques de ces 45 premières minutes en ce qui concerne ce match opposant AS Fortuna, le leader, à Fovu Club de Baham, le deuxième. Ce qu'il faudrait dire, c'est que pour le moment, le carton jaune, deux cartons jaunes du côté de AS Fortuna, en ce qui concerne les coups francs, à 21 reprises. AS Fortuna a eu droit en coup franc contre seulement 11 pour Fovu Club de Baham, 7 tirs cadrés contre 5 pour Fovu Club de Baham, et qu'il faudrait mentionner, bien évidemment, on parle ici des incursions 13 contre 7. Ce qu'il faudrait aussi mentionner pour cette deuxième partie, il faudrait s'attendre à quelques remplacements. On parle de Louis Tazor qui n'a pas disputé ses premières parties côté AS Fortuna. C'est un ténor de cette équipe. On parle aussi d'Emmanuel Becken qui figure parmi les meilleurs buteurs de cette formation. Et Louis Tazor, on sait que Njoya qui a remplacé autant pour moi Louis Tazor côté couloir, a déjà pris un carton jaune dans cette rencontre. Donc c'est un peu possible que pendant la deuxième phase, Louis Tazor rentre sur le jeu à la place de Njoya, le couloir, pour essayer de changer un peu cette équipe de AS Fortuna qui, vous le savez, ce soir a besoin d'une qualification pour maintenir son rang de leader. AS Fortuna, certains disent aussi, parce que j'ai eu l'occasion d'écouter les joueurs passer, on parle d'un excès un peu de confiance. AS Fortuna pourrait pêcher par cet excès de confiance. On sait tous que depuis 9 journées, AS Fortuna est invincible. Un peu un excès de conscience. Je l'ai écouté de la part de certains joueurs aussi. Mais côté Fovu, on attend toujours Victor Mungue. Victor, c'est le dorsal numéro 9 de cette équipe de Fovu Club de Baham, très à l'avant. Il faut noter que sur les deux duels aériens, dans ses 45 premières minutes, il a réussi. Donc, vous comprendrez qu'en deuxième partie, AS Fortuna soit encore sur un pressing, même si AS Fortuna est mené sur le score de 1 but contre 2. Dans quelques instants, on aura l'occasion de voir les 22 acteurs retourner sur le terrain. Je vous reviendrai tout à l'heure. Well, thank you very much, Melon Kamla. Thank you very much, Melon Kamla. We gather from you that the second half might be very much more intense because of the stakes of the game. Let me turn to our consultant here and ask him one question. We saw that it has been Fortuna controlling the game, but then it's Fovu winning, leading by 2-1. Do we mean that there's a difference between domination and being precise and being effective? Non, mais c'est une très grande problématique actuellement dans le football. Est-ce que celui qui domine doit gagner? Je pense que non, ça se vérifie. Fortuna a fait une domination, elle domine, mais elle domine en termes de possession de balles, mais en termes d'occasion réelle de but ou en termes de tir cadré, ce n'est pas elle qui domine. Ça veut dire que Fovu de Baham est beaucoup plus réaliste, un peu comme les Allemands à l'époque, qui étaient beaucoup plus réalistes. Maintenant, Fortuna vient dominer. Chaque équipe joue en fonction de l'effectif qu'elle a en son sein. Fortuna, c'est un peu du tiki-taka, on ne saute pas les lignes, on joue le ballon au pied. Fovu le joue aussi, mais Fovu peut aussi jouer avec des longs ballons, parce qu'elle sait que devant, il y a Mungue, qui est un très grand baroudeur, qui joue bien dos au but, qui peut bousculer les deux avant-centres. Après, pour sujet au pied, parce qu'il y a Pafon qui est très à l'aise, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de cette équipe avec 4 buts. Et on a parlé justement d'excès de confiance de AS Fortuna au cours de cette première partie. On va retrouver nos commentateurs Jean Siriac, Bessé et Balouin Sama pour la deuxième partie de cette rencontre. AS Fortuna, Fovu de Baham. À vous, messieurs. Ils sont certainement passés à la pause.
de part et d'autre. Fovu a besoin de mettre un terme à l'invincibilité de AS Fortuna d'Onfou. Et côté AS Fortuna, on n'entend pas démordre, on n'entend pas tomber cet après-midi. La rencontre reste pratiquement entière, Baldwin Sama. Indeed, we hope that with the showers of blessings this afternoon, it's not going to affect the quality of football we have been able to watch so far ever since this match started. We hope that the beautiful play style dished out by players for the two teams, AS Fortuna for Vov Baham, will be the same during the last 45 minutes of this match, where the two coaches, Prosper Ndedi Ebang of AS Fortuna and Olivier Nankam of Vov Baham, have certainly dished out instructions to the players or to their respective players. What is certain is that we are out for more goals to be scored, especially after the three goals that were scored during the first half of this match. Goalkeeper Ibrahima Daoud of Vov Baham and goalkeeper Minko Shevi of AS Fortuna. The two goalkeepers have each considered this afternoon, alongside their teammates, what particular play style or what modus operandi will be used by the two teams, as the central referee Ngwables from the northwest region of Cameroon, sports and physical education teacher, and the sub-delegate of physical education for Bamenda One in the northwest region, officiates despite the poor weather conditions this afternoon at the Yaoundé Municipal Stadium. He gets set for the kickoff of the second half of this match. Et c'est reparti. Nous sommes dans le camp de AS Fortuna. Voici pour AS Fortuna en Vanda. Le long ballon. On cherche Lionel Ateba, l'une des flèches de cette équipe de Fortuna d'Onfou, dans le rang central. Les poulains de Prosper Ndedi. Ballon perdu. Attention au danger qui se profile à l'horizon. Le centre. Attention! What a blunder. Il a laissé glisser le cuir. What a blunder. Et la correction de Lionel Mengue. We're talking about it a while ago, Jean-Sylvain. The rains, the turf is slippery. Look at. Consequences of the rains this afternoon at the Yaoundé Municipal Stadium. Il était là pour corriger Mengue. Goalkeeper Minko Mengue. Très dangereux ce garçon. Il ne fallait pas attendre autre chose. On peut imaginer la joie de ce buteur and de Fovu Club de Baham. And a disappointment for goalkeeper Et la tâche Chéri. Se complique. Certainly, pour les locaux. Certainly, they had to avoid this, the slippery nature of the turf, complicating things for AS Fortuna this afternoon. Victor Mengue scoring the third goal for AS Fortuna. The third goal for Vov Baham, rather. The third goal conceded by AS Fortuna this afternoon. Ah oui, la remise en jeu pour AS Fortuna. Attention. Ballon pour les garçons de l'Ouest, la grotte sacrée. On se dégage à l'emporte-pièce. Vov Baham has come into this second half of the match quite poised to kill the match. That's why this early goal during the second half of the match, which is your third in this match, comes like a deadly bomb for AS Fortuna. Le porté Minko, qui a été corrigé il y a quelques minutes par Victor Mengue.
n'attend plus, retomber dans les mêmes travers, dans le même piège de cette pelouse trempée du stade Amadou Ahidjo. Remise en jeu pour Fortuna. Le centre. Va-t-il rattraper le cuir? Non. Voici la remise en jeu pour Fobou Club de Baham. Mbé. Attention. Il y a quelque chose qui se prépare. Le danger repoussé. Et on s'organise côté AS Fortuna. Il y a une faute. Le capitaine Beidi. Ibrahima qui prend son temps. La machine de Fobou Club de Baham se remet en mouvement. Il y a un coup de sifflet. Ah oui, il était proche, Blesma. Comment ne pas voir. Cette faute sur... Attention. AS Fortuna reorganizing play, but unfortunately the series of interpositional passes are not quite successful. At each point they get intercepted by one of the players of Fobou Baham that comes back with this over the offensive move here, but fortunately goalkeeper Minko Sheri was vigilant enough not to have been surprised this time. AS Fortuna, beautiful play style. Asian Bertrand, beautiful combination of the midfield with Bisson Junior. Unfortunately, each time they try with this series of interpersonal passes, they have each time stopped. There is certainly something wrong somewhere for AS Fortuna. They will have to go and reorganize play from John Bakia, playing with goalkeeper Minko Sheri, who comes with a long kick of the ball, trying to find a B.E.D. Martial. The ball went off the field of play for a throw in favor of Fofo of Baham. Fofo of Baham that has gained control of this game ever since the match started, telling signs of why they are leading so far in the scoreline situation. AS Fortuna playing with danger at the defense with this powerful shot that goes some meters away from the goalpost. It will have been another opportunity to surprise goalkeeper Minko Sheri of AS Fortuna. Il est véritablement sollicité cet après-midi, Minko. Ainsi, AS Fortuna. Dans sa moitié de terrain. Wanda. Le long ballon pour... le Fobou Club de Baham. Et Tungu. On a trouvé obstruction. Le carton jaune était sorti pour le capitaine de Fobou Club de Baham. Arsène B. Malgré les excuses présentées, il a reçu sa petite biscotte. C'était magnifique. L'intention était bonne. Il aurait pu se prendre le portier Ibrahima sur ce coup. Fofo of Baham, so far leading, 3-1. AS Fortuna
given the fact that they have been late. The referee sounds his whistle. There was an infringement against one of the players of Wolf Baham. And as the captain of Ice Fortuna, B.E.D. Martial gets a yellow card this afternoon. A shot capitaine, son carton. God bless. Dishes out. Oui, il y a une petite confusion au niveau du 5. That's the captain of AS Fortuna, B.E.D. Martial. Le capitaine de AS Fortuna, c'est bien Martial B.E.D. He's been yellow carded there with one player for Baham on the turf, settling in paint. In paint, serious paint there. Fortunately, he's been attended to by the medical staff of Wolf Baham. That was Marfo Gallo. Was body checked by B.E.D. Martial. He's going to be attended to off the field of play. Mwafo Gallo, former player of UMS of Loom and Panthe of Nde. Look at that other opportunity that saw Fofo Baham scoring their third goal and the blunder by goalkeeper Minko Chevy. He will certainly regret that act. Il doit se mordre les doigts, il doit se demander ce qui a pu se passer. Miko. He will certainly curse the turf, the field of play, given the slippery nature after it wins. There comes Wolf Baham with a series of obstructed passes, permitting AS Fortuna to reorganize from their backyard. Minko Chevy, goalkeeper, plays with Junior Kwe. Junior Kwe finds Essien Betra, who was sandwiched there by Fofo Baham, that wanted to surprise or coming with another offensive move. It wasn't quite successful there, permitting the boys in red, the Mifuana Famba division here in the center region of Cameroon. AS Fortuna, they will certainly be dethroned from the first position in Group B of the league standings if they lose this afternoon against Wolf Baham. A long throw of the ball for AS Fortuna. B.E.D. Martial sandwiched there. It's a man-to-man game there for AS Fortuna. Bitsong Jr. comes with a long cross with the ball to find one of his attackers, Teba Lionel, inside the 18-meter box. What does he do with a long kick of the ball? It goes off the field of play. Poorly executed shots there for AS Fortuna. That comes in at the 56th minute of play. Ibrahima Daouda pour botter ce ballon. Merci pour vous. On cherche Nandier. Ah, magnifique. Même s'il prend des risques tout de même, le portier Miko. On s'organise côté AS Fortuna. On combine bien côté Fobu Club de Baham. Le danger reste permanent. Attention. Il n'y avait personne pour inquiéter le portier Miko sur ce coup. Il a pris le risque de repousser le cuir. Voici les garçons de AS Fortuna. Miko. Il a trouvé Sian. Ballon dans le décor. Remise en jeu pour Fofo Club de Baham. Qui tient le bon bout. Rapidement exécuté par Cyril Ngando.
Merci Tungu. Moraes, Fortuna. Nous sommes dans le rond central. Junior Antoine Besson. Koué. Le long ballon, la déviation. Attention. Et le but. Et le but. La réduction du score qui porte la signature. He just got into the field of play for AS Fortuna. C'est Emmanuel Franck Becken. Emmanuel Franck Becken qui permet à AS Fortuna de réduire le score ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, ancien joueur de Dragon de Yaoundé, Soleil Academy, Tonnerre Kalara Club. C'est son cinquième but avec cette équipe. AS Fortuna reducing tally with their second goal scored by Manuel Becken. It's 2 for AS Fortuna, 3 for Fofo Club of Baham. The boys from the Mifon Afamba division don't want to lose this match this afternoon. They know that they have so much time to equalize. They have so much time to equally carry Dede. They have not lost hopes in this match, despite their 3-1 lead for Fofo Baham. They have reduced tally. It's now 3-2 as Fofo Baham continues to multiply the opportunities with a powerful shot. This time it goes off the field of play. They did not succeed to surprise goalkeeper Minko Sherry of AS Fortuna as they did a while ago. The guys from the West region will have to be very, very careful to avoid an opportunity where AS Fortuna is going to equalize this afternoon. With some of the blunders that must be avoided as AS Fortuna gets ready for another substitution this afternoon. Getting signs up for the club's readiness, getting signs up for the club's anxiety and eagerness to equalize and to win this match this afternoon. Beaucoup de réalisation dans ce match. Beaucoup d'étincelles. Les deux équipes démontrent qu'elles méritent véritablement leur position au classement. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Junior Antoine Besson. Il a poussé ce ballon plus qu'il en fallait. Il avait le ballon de l'égalisation. Junior Antoine Besson. Un joueur important dans cette équipe. Ancien joueur de Ouragan de Yaoundé. Racine de Bafoussam, Bamboutos de Mbouda. UMS de Loum. A substitution for AS Fortuna as player shirt number 26, Franklin Kuli Edi, gets into the field of play to replace the captain of AS Fortuna, who is going to walk out of the field of play, Martial Biedi. Martial Biedi substituted this afternoon, replaced by Franklin Kuli Edi. Telling signs of the club's eagerness to equalize and to carry the day against Fofo Baham, a no-nonsense squad from the West region of Cameroon. Marcel Bihidi, the captain of AS Fortuna, will have to watch his teammates play the last 28 minutes of play of regular play time from the reserve bench. He gave in his best during the first half and the early minutes of the second half of this match. And exactly what is going to happen with Fofo Baham? Will they be able to maintain momentum and carry the day, given their 3-2 win? The end of regular playtime and the end of the match will tell us, as Fofo Baham bounces back with this beautiful play style at the midfield, as one of the players has been sandwiched, Victor Menge sandwiched in front of the referee.
who sounds his whistle. It's going to be a free kick for Fofov Baham. Ah oui, il était bien gardé. Victor Menge. Alors que... On va suivre ce ballon arrêté pour Fofo Club de Baham. Il n'est pas très loin de l'entrée des 18 mètres. Le mur est en place. Avec un intrus, Baldwin. Il essaie de faire diversion. La frappe. Qu'est-ce qu'il a cet après-midi, le portier Miko? And the attackers of Fofo Baham must have noticed that he's not quite stable with a one touch of the ball. Goalkeeper Minko Chevy. And they want to capitalize on that weakness on his part to have more goals scored this afternoon. Fortunately, it wasn't the case a while ago. Il a montré son point faible à l'adversaire cet après-midi. Fofo essaye de miser sur ce point faible pour alourdir le score. Voici Nkwe pour l'équipe de AS Fortuna. Attention, il y a quelque chose qui se prépare. La faute, la faute. Blaise Mba laisse jouer Fofo Club de Baham. Le service pour Nandje qui se demande ce qu'il a fait pour mériter un tel coup. C'est plutôt Dombou qui était lancé sur le côté. Gabin Dombou, le buteur. Le tout premier de Fofo Club de Baham dans ce match. La remise en jeu pour les garçons de la grotte sacrée. Il y aura un centre. C'est dans les gants. Dans la niche du portier Minko. Au bout de Baham. Qui maintient sa domination. Alors qu'il y a un joueur côté AS Fortuna qui se tord de douleur. C'est un Vanda qui a reçu un coup au passage. AS Fortuna comes in with this free kick. Some 66 minutes gone into regular playtime here. Vondo Tamara, beautiful combines with Bertrand Essien, the beat one player, and finds his teammate Rodrigo Nana. Here comes a beautiful opportunity for AS Fortuna with a long cross of the ball by Franklin Eddy. Beautiful interception there by Mbeya Senna for Fofo Baham. That sends the ball off the field of play for a corner kick for AS Fortuna. Corner kick quickly taken by the guys of the Mifana Famba division. A powerful shot that goes off the field of play. Poorly targeted shots there by one of the defenders of AS Fortuna, Vondo Tamara, who went right up to lend some support to his teammates. It's going to be a 5.5 meter kick for Fofo Club of Baham. They know they have an urge so far. They know they are leading so far. Psychologically, it's a moral booster to the team. And they gain control of every position of the field of play this afternoon. Fofo Baham came into this match quite ready, quite determined to
secure the 3 points, given the early goals they scored, given the early lead they took in this match. The club, which happens to be one of the powerhouses of football in the West Region of Cameroon. Beautiful dribble there for Favour Baham, but unfortunately the pass didn't get to the targeted player, permitting still Favour Baham to benefit from a throw. As one player of Ice Fortuna was on the turf, fortunately he's back. Favour Baham will make use of this throw. This club that won the Cup of Cameroon in 2001 with players like Marcus Mukake, part of the team. He comes with a long throw inside the danger zone for Ice Fortuna. Fortunately for Ice Fortuna, gets the waiting hands of goalkeeper Minko Chevy, who plays very fast with his teammates to reorganize play with a long cross that gets to meet goalkeeper Ibrahima Daouda of Favour Baham. The two goalkeepers who have been quite instrumental for their two teams this afternoon. Ibrahima Daouda for Favour Baham and Minko Chevy of Ice Fortuna. They, who alongside the defenders, have been put on test on several occasions. Here comes Ice Fortuna, beautiful combination, a big one player, but has been brought down in front of the referee, and the referee sounds his whistle. It's going to be an infringement and a free kick for Ice Fortuna. Ah oui. On va suivre ce ballon arrêté pour les poulains de Prosper Ndedi. La faute. Ice Fortuna dans le rang central. Ça combine bien. Attention, le danger qui se profile à l'horizon. Le coup franc. Pour Ice Fortuna. La faute. Elle était visible sur Rodrigo Nana. Et le portier Ibrahima Daouda qui essaye de placer ses hommes du mieux qu'il peut. Il faut un mur solide. Alors que Rodrigo Nana semble prendre lui-même le rôle de tireur de ce ballon arrêté. On va suivre. Il y a de bons tireurs dans cette équipe de AS Fortuna. Lesba qui donne la dernière consigne avant le coup de sifflet. C'est largement au-dessus de la cage de Ibrahima Daouda, ancien portier de Coton Sport de Garoua. Rodrigo Nana a trop appuyé sur ce ballon alors qu'il y a un remplacement annoncé côté Favour Club de Bahamas. La sortie du buteur Gabin Dombo qui cède sa place à Junior Vincent Chamba. Favour Baham, they just carried on with one of our substitutions. Coach Olivier Nankam doesn't want to give chances. He knows that with 18 minutes left to the end of a regular play time,
AS Fortuna may just use that opportunity. Another substitution for Fovu as Eric Parfum moves out and is replaced by Gilles Chichua. Eric Parfum, déjà 4 réalisations avec cette équipe de Fovu Club de Bahamas. Qui quitte la pelouse. Attention, il ne faut pas jouer avec le feu côté AS Fortuna. On essaie de construire les hommes de Prosper Ndedi qui courent après l'égalisation. We just saw him and his semi-cast. Here comes AS Fortuna inside the 18 meter box of Fovu Bahamas, but unfortunately the ball gets away from the danger zone for Fovu Bahamas. But has not been completely cleared off as AS Fortuna in an endless offensive move there with 1, 2, 3, 7 players of Fovu Bahamas who retaliated to form a Berlin Wall, stopping any offensive move by AS Fortuna. That saw that opportunity shattered there, much to the dissatisfaction of many supporters of AS Fortuna, permitting goalkeeper Ibrahima Dauda of Fovu Bahamas through a free kick. On peut les comprendre, les supporters de AS Fortuna. Ils ne sont pas habitués à voir leur équipe en difficulté. Une équipe qui détient jusqu'ici le record d'invincibilité. The story has turned sour for AS Fortuna this afternoon, considering a defeat at home, given that they are the ones hosting. Here comes Fovu Bahamas. He tried to beat one player. He was sandwiched there by two players of AS Fortuna. The referee says the play must continue as Fovu Bahamas is present on most of the moves, on practically every move there. You got to see one player of Fovu Bahamas stopping any incursion from AS Fortuna, knowing very well that they are leading 3-2 and they have what it takes for them to carry the day and to secure the 3 points, which will permit them to move on top of the league standings in Group B and to overturn the tables, sending AS Fortuna to the second rank. Here comes a long throw for AS Fortuna that finds Franklin Eddy, as Fovu Bahamas midfield was quite weak on that opportunity there. The game becomes much more physical towards the last minutes of the match, with some fouls which the referee allows and says play must continue. One player of Fovu Bahamas on the turf is in pain and is going to be subjected to some medical attention as the referee Mbwa Blaise calls for some medical attention under the watchful eyes of Olivier Nankam, coach of Fovu Bahamas. His team is leading, yes, but he is not quite satisfied. He needs more goals to be scored. He needs more goals to be scored to increase the chances of winning the match this afternoon, because just a one goal difference is not secure, it's not quite comfortable for the team. Meanwhile, coach Prosper Ndedi Ebang of AS Fortuna himself quite restless ever since the match started, with telling signs of anxiety on the faces of players on the two sides, on the reserve benches of the two teams this afternoon. Thank God the wind is over here and paved the way for some sunshine that may not see goalkeeper Minko Chevy blunder any longer. Attention, il y a le danger qui plane dans le camp. I said it. Ooh, la, la. I said it. Ooh. Et le quatrième but. Le quatrième but de Fovu Club de Bahamas. Regardez la joie. Olivier Nankam is very happy. The coach of Fovu Bahamas, Jan Siaka, was talking about goalkeeper Minko Chevy and the slippery nature of the turf. Look at the slow motion. Look at how it gets into between two players of AS Fortuna. And that should be an on goal. If you get this look at from the slow motion,
slippery nature of the turf, and the goalkeeper had to. Et c'est le nouvel entrant junior Vincent Chamba qui vient d'asséner le coup de grâce à cette équipe de AS Fortuna. Quatrième but, 4-2. Alors que nous jouons pratiquement la 79e minute. Il n'y a plus beaucoup de temps. La sortie du portier Minko. AS Fortuna qui voit rouge cet après-midi. Nkwe, le long ballon. On cherche Lionel Ateba sur le front de l'attaque. C'est reparti côté Fovu Club de Baham. Chokelung. Ballon à nouveau pour les hommes de Prosper Ndedi. Voici Lionel Ateba. Attention. Attention, il est servi. Lionel Ateba. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Fortunately for Fovu Baham, they were quite vigilant at the central defense, but they didn't just have been completely cleared off as AS Fortuna in this solo offensive move here, trying to reduce tally. They have been led 4-2 at home by the visitors Fovu Club of Baham. Ibrahima Dauda, the goalkeeper for Fovu of Baham this afternoon, as Olivier Nankam decides to go in for the third substitution for Fovu of Baham so far. The third substitution for Fovu of Baham that comes at the 80th minute of play. Fabrice Raymond Fosso qui entre en lieu et place de Victor Menge. Victor cet après-midi. Victor Menge. Le grand coup de pied de Ibrahima Daouda. Ballon pour AS Fortuna. AS Fortuna qui se montre motivé par une éventuelle égalisation. Attention, le service. Goalkeeper Ibrahima Daouda, look at signs of joy on the faces of players on the reserve bench of Fovu of Baham. They know their team is leading 4-2. And in 9 minutes left for the end of regular playtime, they are telling themselves, we came to Yaoundé and we'll go back home with the 3 points. AS Fortuna, they are the host. They must have lost, but it's not yet over in the game of football. Never say die before. It's the end of a regular playtime. The guys from the midfront of Famba Division, did they see themselves losing at home or conceding as many goals as possible? 4 goals they have conceded just in one match against Fovu Club of Baham, and 2 goals they have scored, making a total of 6 goals scored in this match so far. And we are certainly out for more goals to be scored before the end of this match. With this offensive move for Fovu of Baham, that comes in Alex Njache, gets into an opportunity. Goal number 5 for Fovu Club of Baham. Just like in the football training session. Bien construit, et c'est le nouvel entrant, Fabrice Raymond Fosso, qui crucifie. Fovu has crucified AS Fortuna. Look at the beautiful slow motion. What a beautiful match.
Beautiful opportunities, beautiful goal scored. Ils ont bien construit leur but. Raymond, Fabrice Fosso et Olivier Nankam qui est aux anges. Très heureux cet après-midi, le coach de Fovo Club de Baham qui est venu défier AS Fortuna sur ses installations. Many supporters of AS Fortuna are not quite happy with the scoreline situation so far. Many of them present here this afternoon at the Yaoundé Omnisports Stadium. Et ça peut se comprendre, Valdi. Ils sont surpris pour la plupart, habitués à voir leur équipe jouer les premiers rôles. Difficile de l'avoir malmené, torturé par des visiteurs. Ah oui, vous prenez votre carton avant de sortir. Monsieur, vous n'allez pas vous dérober. Some would say those are signs of simulation as the central ref in Ngwables is very strict on that. Ngwables is very vigilant and knows exactly what to do as a central referee. He knows exactly how to sanction and when to sanction, just as he did a while ago. Fovu Club of Baham, quite happy. 1, 2, 3, 4, 5 goals scored so far for Fovu of Baham, and just 1 and 2 goals scored for AS Fortuna. 7 buts marqués jusqu'ici en un match. Ça n'arrive pas tous les jours en Elite One. Attention, il y a quelque chose qui se préparait, mais stoppé par la défense de Fovu Club de Baham. On est reparti côté AS Fortuna. Il a tenté un grand pont sans succès. Attention. Certains supporters réclament un pénalty. Attention. Il a pourtant un partenaire non loin. Belle confrontation jusqu'ici, riche en réalisation, beaucoup d'étincelles, beaucoup d'impact physique aussi. La remise en jeu pour Fovu Club de Baham. Est-ce qu'il va passer? Oui, c'est fait. Attention à la correctionnelle. Il y aura peut-être un centre. Non. Et le bon jaillissement. Qui permet. On va suivre ce corner. Attention. Corner à nouveau pour Fovu Club de Baham. La faute. We are slowly but surely moving towards the end of this match. As Fovu of Baham is leading 4-2, although the 5th goal wasn't validated by the central referee this afternoon. We are 3 minutes to the end of regular play time here.
as one of the goal scorers. The first of who has scored in the match this afternoon. Dombo Memos walks out of the field of play for another substitution for Fofo of Baham. Terence Duncan qui entre en lieu et place de Alex Gauthier. Attention! Il semble avoir baissé les bras côté AS Fortuna, Baldwin. Alors que nous sommes rentrés dans le money time de cette rencontre qui ne sourit pas véritablement aux locaux. Beaucoup de fautes de la part de la défense de AS Fortuna. La faute corrigée par les attaquants de Fofo Club de Baham. 4 buts contre 2. Le cuir était sorti. AS Fortuna, le long ballon pour Lionel Ateba. C'est plutôt Becken qui était sollicité. Le deuxième buteur de AS Fortuna. Becken qui est allé en essai au Nigeria, puis en Ukraine, au Cheka FC. Il a inscrit son deuxième but avec AS Fortuna cette saison. Attention. Il est bien gardé par la défense de Fofo de Baham. Le centre et la frappe peut-être. Il y a une main. Pas du tout sifflé par Blaise Mba. Il y avait une main sur cette action. AS Fortuna va repartir. Et Tungu. Bon, Joya. Attention, quelque chose se prépare. Voici le but. C'est un penalty, probablement. Le carton jaune. La décision de l'arbitre et le nouvel entrant qui prend un carton jaune, Terence Gankam. On va revoir cette action. Le pénalty pour AS Fortuna. Ibrahima Daouda est sollicité sur ce coup. Gardien, pour rappeler, un seul pied. Une opportunité de réduire significativement le score. La concentration sur le visage de Lionel Ateba. Qui se lance. Tire. Et le cuir est repoussé par Ibrahim Adaouda.
What a missed opportunity there. Ice Fortuna was certainly have great all these cornered opportunities this afternoon, especially given that they have lost at home to visiting Fofo Club of Baham. That will certainly have an impact on the league standings in the Group B. 2 goals for Ice Fortuna and 4 goals for Fofo Club of Baham. That's the scoreline situation here at the Yaounde Omnisports Stadium. It's all over. Celebration time for players of Fofo of Baham. Disappointment time for players of Ice Fortuna. The showers of blessings did not bless the players of Ice Fortuna, simply blessed the players of Fofo of Baham. You can see pains, bitterness of some of the players as the central referee Ngwables, quite happy with his performance as the central referee this afternoon. As you can see signs of disappointment on the face of one of the players of Ice Fortuna. He did not expect his team to lose at home. With these number of goals scored, 4 goals considered by Ice Fortuna at home. The visiting team, Fofo Club of Baham. They have worked and the strategy worked for them. We will certainly get reactions, post-match reactions, thanks to Melon Kamla, who is on the touchline. And we will equally have a highlight for the entire encounter this afternoon, which saw 6 goals scored. A prolific encounter with 6 goals scored, indeed. A beautiful play style by the players of the two teams. As Fofo of Baham, they thank the gods. Highlights of the first match, of the first half of the match, with the curtain raiser. Le premier but qui porte la signature de Gabon Dombo. Dombo comes with a long kick of the ball. It's a heads go high as an opportunity for. On va revoir le deuxième but signé Nanje. Du bout de la godasse, il a propulsé le cuir au fond des filets. Le portier Minko était battu sur ce coup. Voici le but d'égalisation, en fait la réduction du score, signé Bertrand. La frappe elle était magnifique. Ibrahima Daouda n'y a vu que du feu. 2-1 au terme des 45 premières minutes. Et voici le troisième but qui porte la signature de Victor Mengue, qui a corrigé une erreur du portier Minko. Goalkeeper Minko Chevy there with that blunder, a blunder that he will live to regret, that caused his team to concede that goal. And they came in with their second goal this afternoon that came to reignite a possibility of them equalizing, but unfortunately it was just a mere opportunity to believe that they could equalize, but not a possibility. As Ice Fortuna scored a second goal, permitting Fofo Club of Baham to retaliate and to bounce back with this other goal, which was a fourth goal for Fofo Club of Baham. Another blunder from the defense line of Ice Fortuna that lacked a lot of concentration, sending goalkeeper Minko Shevi to the back of his net for the fourth time in this match. And there was even a fifth goal that was disallowed by the central referee. Il oubliera difficilement ce match, le portier Minko. Et voici le fameux penalty
repoussé par Ibrahima Daouda. 4 buts pour les visiteurs, 2 pour les locaux. Et c'est la fin de la rencontre. Les réactions d'après-match avec Merlin Kamla, s'il est positionné. Merlin. It's not yet ready. You have the standings in Group B after the match this afternoon for the club of Baham. That moves over to 18 points with a plus 8 goal advantage as compared to Ice Fortuna, equally on 18 points. They have a plus 5 goal advantage. So you see, Fovu Club of Baham overturns the tables and is now topping Group B of the 81 Football Championship after defeating Ice Fortuna this afternoon here at the Yaounde Omnisports Stadium. Both teams have 18 points each. Just the number of goals, the goals difference that sees Fovu of Baham on top of the league standings. We wait for the post-match reactions with Merlin Kamla. Certainly reactions from Fovu Club. Il est en place, Merlin. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Baldwin Sama, Jean-Cyril Arbessi, bonsoir. On attend les coachs pour les réactions d'avant-match. Mais permettez qu'on revienne sur cette fin de rencontre, ce pénalty manqué par AS Fortuna. Si vous ne l'avez pas écouté, il y a eu une guerre de leadership juste avant ce but. On avait Bekin qui a signé son 5e but au cours de cette rencontre, qui voulait tirer d'un autre côté. Il y avait Ateba. Eh bien, il y a eu une dispute. Malheureusement, ce pénalty raté. Alors, on a le coach Nankap qui est avec nous. Coach, bon après-midi, félicitations. Oui, merci, bon après-midi, merci. Alors, vous venez de renverser cette série d'invincibilité de AS Fortuna. Qu'est-ce qui a bien marché? Moi, je pense que c'est l'efficacité. Hein? L'efficacité, parce que d'habitude, on joue, on a les occasions. En début de match, on ne parvient pas à les mettre. Je crois qu'on les a mis. C'est vrai qu'après, il y a eu un petit baisse de régime, parce qu'en face, vraiment, il faut l'avouer, c'est une bonne équipe de Fortuna. Mais je crois qu'on avait aussi du costaud en face et on a été très réaliste dans ce match. Alors, coach, pour toutes ces personnes qui nous regardent à présent, certains parlent de la carrue de vos joueurs. On parle d'un gabarit. Je sais que vous êtes aussi préparateur physique. Un mot? Bon, gabarit, on avait aussi en voir en face. Ce n'était pas des enfants de petit gabarit. Je pense que tout, c'est dans le travail et puis dans le choix des hommes. C'est vrai, je suis préparateur physique aussi et entraîneur principal. Mais j'essaye de faire un savant dosage. Et c'est pour cela que les gars essaient de tenir. Et puis voilà, le résultat est là. Vous prenez ainsi la tête dans la poule A devant AS Fortuna. Comment vous voyez la suite? Non, moi je pense qu'on va continuer à travailler. Le championnat est encore long. Ce n'est que la phase aller. Et puis voilà, on a même nombre de points. Donc c'est pas comme si on avait l'écart de certains points. On a le même nombre de points. Donc moi je pense que c'est une bonne équipe. Ça va se jouer. Voilà, il est question maintenant que les gars essayent de récupérer et qu'on essaie de mieux aborder la dernière journée de la phase aller. Mais déjà aussi bravo à cette équipe et bravo à mon jeune collègue, mon petit frère, mon ancien coéquipier Didier Bang, qui essaie aussi de faire un gros travail à ce niveau. Vraiment bravo aussi. Félicitations, bon vent. Alors, Baldwin Samaon, on va recevoir aussi le coach de AS, le coach de Fovu Club de Baham. Coach, vous venez, nous sommes en direct de CRTV Sport en état tête main à l'occasion de cette 10e journée du championnat national Elite One. Coach, j'aimerais qu'on revienne tant soit peu sur ce pénalty. Nous étions à la main courante, on a suivi cette bataille entre Bekin qui voulait tirer, Ateba plutôt qui a tiré. Finalement, le pénalty est raté. Est-ce qu'il y a une guerre de leadership dans AS Fortuna côté joueur? Est-ce qu'on n'a pas déjà des joueurs calés pour tirer des pénaltys? Je dirais qu'il n'y a pas une guerre de leadership. Il y a des joueurs qui sont calés pour tirer des pénaltys. Et justement, les deux en font partie. Bon, maintenant, Bekin était dans une bonne dynamique compte tenu de l'évolution du match. Il est rentré, il a marqué, il est le meilleur buteur de l'équipe. Avec 5 buts? Oui, il y avait 5 buts. Bon, la logique aurait voulu qu'il tirât ce pénalty. Bon, maintenant, Ateba a peut-être voulu se racheter par rapport aux occasions manquées, parce qu'il a fait un bon match et ce qu'il manquait justement, c'était le but. On peut penser qu'il a voulu, en guillemets, couronner son match. Bon. Alors, on serait actuellement sur un score de 5 buts à 2. Nul était à ce hors-jeu qui a été refusé. Techniquement, tactiquement, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, coach?
Je dirais d'abord que le hors-jeu fait partie du règlement. Donc ce n'est pas une faveur que l'arbitre siffle un hors-jeu. Maintenant, je dirais que tactiquement, il faut voir maîtriser le sujet. Nous avons commencé avec un 4-4-2 qui nous a un peu embêtés. Nous sommes revenus à un 4-3-3 après le deuxième but et nous étions bien, on aurait pu égaliser. On aurait pu revenir à deux buts partout. Maintenant, il y a eu beaucoup de maladresse de notre part, ça il faut le reconnaître. Et puis, c'est ce qui fait le charme de ce sport. Rien n'est acquis d'avance, nous étions premiers, nous avons perdu gros sur ce match, mais c'est un championnat. C'est un championnat, on va continuer à travailler, on va garder la tête haute. Ce n'est pas une défaite qui va entraîner des querelles, non. C'est l'équipe qui a perdu et puis nous étions supposés perdre. Dans un championnat, tout le monde peut perdre. Si le bon Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui, eh bien on l'accepte et puis on va travailler davantage. On va à Bouda déjà dans l'esprit de relever la tête. Avant de continuer du côté de Bouda, permettez qu'on revienne. Est-ce que ce n'est pas un excès de confiance? On sait que AS Fortuna est sur une série d'invincibilité, 8 matchs, 5 victoires, 0 nul, 3 défaites. Est-ce que vous n'êtes pas entré dans cette rencontre en se disant on est leader, ça va passer comme une lettre à la poste? Tout le contraire, nous connaissons bien la valeur de Fovu. Et puis, les deux équipes, c'est vrai que nous étions premiers, mais nous étions conscients de ce que Fovu, c'est une machine. Alors, pour avoir les 3 points, il fallait travailler dur. Les joueurs étaient prévenus, il était question pour nous de jouer comme si c'était un match à une mi-temps. Malheureusement, la première mi-temps est catastrophique et derrière, on a un peu eu le sort qui nous a été défavorable. À l'entame de la deuxième période, nous prenons un but qui vient quelque peu nous embarrasser. Bon, la suite... elle se passe de tout commentaire. Eh bien, on vous souhaite le meilleur pour la suite du championnat. Très bon vent. Eh bien, permettez qu'on prenne une dernière personne. C'est l'homme du match. Félicitations, vous avez été assez perspicace. Je rappelle que c'est le Dorsar 7. Vous avez marqué ce but, vous êtes couloir gauche. On vous a vu aussi revenir de ce côté. L'animation, ça a changé. D'abord couloir gauche, après on est revenu du côté du droit. Qu'est-ce qui a bien marché dans cette rencontre? Oui, merci. Déjà, je veux commencer par dire... bravo à toutes les deux équipes. C'était un match très prolifique. 6 buts marqués. Et la qualité du jeu, vous avez remarqué. Oui, les consignes étaient données d'abord de venir jouer contre un premier. Déjà, on n'avait pas encore gagné à Yaoundé. Donc, c'est notre première victoire ici. Donc, nous avons commencé sur cette base. Et le coach, nous avons respecté les consignes de coach, de brouiller de temps en temps l'adversaire. Vous avez remarqué les changements. Et heureusement, nous avons marqué très tôt. Et ensuite, nous avons su dérouler. Malgré une équipe de Fortuna très bien en place, avec une attaque très mobile, heureusement, nous avons su tenir jusqu'au bout. Félicitations encore. Très bon vent du côté de Fovu. Vous êtes premier au classement. Allez de l'avant. Merci. Eh bien, permettez, avant de vous remettre l'antenne, si vous permettez à vous. Avant de vous remettre l'antenne, de vous donner quelques statistiques en ce qui concerne cette rencontre. Ce qu'il faudrait mentionner, c'est que AS Fortuna perd 2-4 contre Fovu. Alors, côté carton, c'est au total 6. 3 du côté de AS Fortuna, 3 du côté du Fovu Club de Baran. En ce qui concerne les coups francs, c'est 30 côté Fovu. Côté AS Fortuna et 19 côté Fovu. Les substitutions, on a eu jusqu'à 8 remplacements dans cette rencontre. Si on parle des tirs cadrés et non cadrés dans cette compétition, c'est bien évidemment AS Fortuna qui est en tête, 13 contre 10. En ce qui concerne les lancements de touches, c'est 26 contre 17. Voilà ainsi les statistiques après 90 minutes. On rappelle que, bien évidemment, Fovu Club de Baran passe directement en tête dans la poule A, dans cette rencontre, AS Fortuna, Fovu Club de Baran. À vous l'antenne. Merci mon cher Merlin Kamla. Nous allons immédiatement renvoyer l'antenne à Serge Foisguet et Guillaume Tazor pour le débrief de la rencontre. Merci bien cher monsieur, merci bien Guillaume. FIFA, oui. Waouh, gagné! Génial. Utilisez le code promo et obtenez tout de suite votre bonus de 200%. OneXBet, des paris pour tous les goûts. Nous les avons attendus. Nous les avons réclamés avec ferveur et passion.
Leur engagement, leur combativité, leur fair play nous ont tant manqué. Après des mois d'absence, le football professionnel fait son grand retour. Les chevaliers du ballon rond reprennent le contrôle de l'arène. Venez vivre des moments inoubliables. Sur l'ensemble du territoire, le football by FecaFoot reprend 3 de cité. Merci bien, retour ici donc sur ce plateau spécial ici au stade Omnisport de Yaoundé après cette victoire de Fovu Club de Bahamas sur AS Fortuna 4-2. Elite One, le débrief, ça commence donc tout de suite avec l'un des buteurs de l'équipe de Fovu de Bahamas. Il s'agit de Victor Menge, celui qui a inscrit le 3e but de cette équipe. Bonsoir et félicitations à votre équipe. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui a fait la force, vous en tant qu'acteur, qu'est-ce qui a fait la force de Fovu ce soir à Yaoundé face à AS Fortuna? On va dire, comme on dit soir chez nous, on a été un, on a été costaud, on a beaucoup travaillé en semaine pour préparer ce match. Donc, ça a été pas facile. On va féliciter l'équipe de Fortuna qui n'est pas facile à jouer. Mais nous, on est resté costaud du début jusqu'à la fin. Alors, du début jusqu'à la fin, battre cette équipe invincible pendant 9 journées, par un lourd score. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné que voici le couloir par lequel il faut passer pour battre cette équipe de AS Fortuna? Oui, oui, oui. On a beaucoup travaillé en semaine, comme je disais, pour ça. Donc, on a utilisé leurs faiblesses, malgré qu'ils ont des forces, on a utilisé juste leurs faiblesses.